Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de LSPDFR. Donc aujourd'hui, on se retrouve en police nationale. Donc on va patrouiller avec ce nouveau véhicule là, ce berlingot de la police nationale, regardez, qui a été réalisé par un membre de la Baro Team. Donc vous pourrez le télécharger dans la description. Et toujours la même tenue, hein. Tenue de police nationale. Donc aujourd'hui, on est avec mes deux collègues. Et on va intervenir sur tout type d'intervention. Donc on va pas tarder à partir là. Hop. Donc regardez les gyros comme ils sont beaux. C'est un beau véhicule ça. Donc vous pouvez le télécharger dans la description. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, si cet épisode vous plaît. Et à mettre un commentaire. Je réponds à tout le monde. Ok, donc déjà on a une intervention là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai rajouté plein de modes. Hein, donc j'ai plein de nouveaux appels qui vont tomber là. Je sais pas ce que c'est. Donc alors, c'est parti, on y va. On va aller voir ça. Oula, c'est un peu loin quand même. C'est à 8 km. Donc je vais faire une petite ellipse. On se retrouve après. Ok, donc on arrive sur les lieux. Alors je sais pas. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas là. Ah si, c'est là. Il y a des motards qui s'en prennent à la jambe. Police là, c'est la police. Jette ton arme toi. Jette vos armes là. Jette ton arme toi. Ah ouais, mets-toi au sol, dépêche-toi là. Mets-toi au sol toi. Ok, donc lui. Non, c'est bon les gars, c'est bon, il est arrêté. Mets-toi au sol, dépêche-toi là. Allez, jette ton arme, c'est bien. Alors là, faut appeler une ambulance là. Alors attendez les gars, je vais aller chercher l'autre là parce que là, il y en a un qui s'est barré là. Tu restes là, Patrick. Tu le gardes en joue. Il est où l'autre là? Il est là. Je crois qu'il va s'enfuir comme ça lui. On descend Patrick là. Il s'est vautré. Viens là toi, viens là. Arrête-toi, c'est la police, là. Voilà, et hop. Quand on sait pas courir, on court pas, là. Viens là, il est où, là? Ok, donc je vais y foutre. Arrête-toi, toi. Il va pas s'arrêter, hein. Oh, je crois que je l'ai descendu, je crois bien. Ah mince, il est mort. Ok, bon, on va appeler une ambulance pour lui aussi. Je vais appeler deux patrouilles en renfort, là. Les gendarmeries. Non, on est dans le quartier gendarmerie là. Je sais pas pourquoi on a eu cet appel là d'ailleurs. Mais bon. Alors, on va essayer de traverser. Attention là, attention, ça roule vite là. On va ralentir le trafic. Est-ce que ouais, tu l'as arrêté toi? C'est bien. Ok, bon, on s'est fait chourer notre véhicule déjà. Ah non, il est là-bas, je suis bête. Bon bah, il y a la gendarmerie qui arrive. Attention, on traverse. Et nous, on va retourner dans nos quartiers, là. On va retourner dans la ville. Bon bah, ça commence fort, déjà. Allez. Ok, donc là, on va se rendre dans une propriété, pas loin d'ici. Parce qu'apparemment, il y a l'alarme qui s'est déclenchée. Alors ça se trouve, on est sur un cambriolage là. Donc il faut qu'on se dépêche un petit peu. Ça se trouve, la maison elle est en train de se faire cambrioler. Donc on va se dépêcher. On va être discret quand même. On va juste mettre les gyrophares. Hop là, c'est par ici. Ok, c'est dans cette... Ah mais c'est quelle maison aussi? Ils sont marrants. Là. Ok, donc on va tourner ici. Il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un. Qu'est-ce qu'il fait lui? Alors attendez, il nous a pas vu. Il a un bidon à la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, mais il s'enfuit. Il nous a vu, c'est bon. Viens là, toi. Tu fais quoi, là? Tu vas où, là? Oh, c'est la police, là. Oh mince, il prend sa voiture. Il prend sa voiture, les gars. On remonte. Je vais appeler les patrouilles. Mince. Ok, on y va. Il s'enfuit, il prend la fuite. On y va.
Bah, tant qu'on arrive, nous. Vous faites quoi, les gars? Venez, venez, dépêchez-vous, là. Ah bah, il est déjà perpète, le gars. Mais il va se dépêcher, lui, Maurice, là. Oh. Allez, c'est parti, on y va. On va essayer de le rattraper. Ok, bon, il est pas parti loin, à mon avis. Il s'est fait choper par la... par un autre équipage. Ok, ils sont là. Ok. Ah bah non, ils l'ont pas eu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oula, ça va vite là. On n'a pas le droit à l'erreur. Ok, donc. Pourquoi la porte elle est ouverte? Il y a un petit bug là, avec le véhicule là. Qu'est-ce que c'est le point vert là? Oula, 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 oula. Ah non, c'est la maison où on était tout à l'heure. Allez, on y va. Je vais passer devant là parce que ils m'ont pas l'air très fins. Alors, c'est parti. On va demander des herses. Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, bah là, il est piégé. Là, il est pris au piège. Allez, hop, on descend, les gars. On descend. Allez, descendez du véhicule là. Dépêchez-vous là. Descends, toi. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Hé, il va où? Mais il est fou! Hé, viens là, viens là, viens là! Tu vas tomber là! Mais il s'est jeté! Mais il est malade! Ah bah voilà! Il est mort! Non, mais il était complètement taré lui! Hein. Je vais appeler les pompiers direct! Alors attendez, je vais essayer de descendre! Ouais, ça tombe à pic là! Il y a un collègue en bas! Alors attendez, je vais essayer de. Oula, 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 oula! Oula vache! J'ai failli mourir aussi là! Ah, c'est bon, Maurice, hein, il est mort. Hein. Là, il s'est assommé, là. Regarde la chute qu'il a fait. Il a sauté de là-haut, cet idiot. Je vais appeler les pompiers. C'est bon, les gars, vous pouvez baisser votre arme. Là, il va pas se réveiller. Hein. Là. Ils font quoi, les pompiers, là? Ils entendent qu'ils arrivent. Ah, ils sont là. Ils sont là. C'est par ici, les gars. Oh, c'est ici, c'est ici. Ouais. Où c'est qu'ils s'en vont, là? Oh là 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 là. On n'est pas aidé aujourd'hui. Ah, bah, les v'là. Oh, bah, ils sont. Ils vont m'écraser. Ils sont pas nets, eux non plus, là. Oh là là, c'est quoi ce bordel aujourd'hui là? Et il est là les gars. Dépêchez-vous parce que ça fait 1 heure qu'il est dans le coma là. C'est là, mais ils viennent même pas. Et bon bah là il est mort. Hein. Là les pompiers, je sais pas ce qu'ils font. Voilà, je vais appeler la morgue. Bon allez les gars, c'est fini là. Revenez là, là. Non, ils veulent pas revenir. Au cas où qu'ils se réveillent, ils sont là. Bon, bah moi je vais remonter à mon véhicule. Et on se retrouve après. Ok, donc là on a été appelé parce qu'il y a quelqu'un qui refuse de payer ses consommations. Donc ça doit être dans un bar. Qu'est-ce qu'il fait sur le parasol lui déjà? Ok, donc on va attendre, on va régler tout ça. Là, qu'est-ce qu'il fait là-haut celui-là? Non, 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 je vais pas y parler à lui. Bonjour messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jette ton couteau, toi. Allez, un couteau, allez, un couteau. Jette ça, jette ça, jette ça. Mets-toi au sol, là, dépêche-toi. Mais t'es malade, toi. Allez, mets-toi au sol, là, juste pour un. Elle a pas pu se payer son verre d'alcool là et ça y est, elle veut planter le serveur. Ah, c'est pour ça qu'il s'est mis en haut, d'accord. Ok. Donc madame, vous êtes arrêtée là. Ok, tu peux descendre. Mettez-vous à genoux, vous. Vous croyez où là? Vouloir poignarder les serveurs là. Bon monsieur, est-ce que ça va? Vous n'êtes pas blessé, non? Vous êtes réfugié sur le.
sur le parasol là-haut. Vous avez bien fait parce que là, elle était prête à vous planter celle-là. Allez madame, là, vous êtes interrogée là au commissariat sur vos actes. Allez hop, montez là-dedans. Ma collègue va vous emmener. Voilà, allez hop. Nous on repart. On repart. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. On va faire une petite patrouille tranquille dans le quartier là. Hop, on va éteindre les gyros. On va patrouiller tranquillement. Alors déjà, il y a un point blanc là. Qui a l'air louche. On va aller voir ce qui se passe ici. Oula, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est sur le pont. À mon avis, il y a quelqu'un qui est en panne là. Alors attendez. Comment je vais aller sur le pont là? Faut que je fasse le tour. Attendez-moi, j'arrive. Alors attendez, non, je vais. On va y aller à pied. Voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-haut là? Attention, je traverse. Hop là. Eh ben, il est... Oh, doucement toi. Oula, oui, ça fume là. Ça fume, madame. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe là? Votre véhicule là, il est capote là. Donc, attendez, attendez. Parce que moi, j'ai fait des... J'ai été mécano quand j'étais jeune. Donc, je vais regarder ce qu'il y a là-dessous, ce qui se passe. Alors... Je vais essayer d'ouvrir le capot déjà, voilà. Oula, c'est un beau moteur ça, dis donc. Ah oui, là il y a la durite. Là c'est la durite qu'a lâché, madame. Là votre véhicule il est complètement mort. Hein. Donc ce que je peux faire pour vous, c'est que je vais vous appeler un taxi hein, si vous voulez. Là vous êtes obligé de repartir en taxi, madame. Hein. Eh oui. Donc je vous appelle un taxi. Et votre véhicule, là vous irez chercher ça au garage le plus proche. Je vais appeler une dépanneuse. Hop là. Là, vous pouvez plus repartir, madame. Donc alors, attendez, parce que là, vous êtes un peu sur la route, là. Donc suivez-moi, s'il vous plaît, là. Suivez-moi. On va se mettre sur le trottoir. Voilà. On gêne pas la circulation, comme ça. Vous allez attendre le taxi, ici. Il devrait pas tarder. Il arrive, je le vois, il est là-bas. Les gars, là, venez, vous êtes au milieu de la route, là. Ils sont bêtes, eux. Voilà, allez, le taxi est là, madame. Vous pouvez repartir sereinement. Vous viendrez chercher le véhicule au garage, hein. Parce que là, la dépanneuse qui est là, elle va l'emmener, voilà. Bon, allez, nous, on repart, on traverse, on fait attention. Les gars, faites attention en traversant. Hein. Parce qu'ils sont capables de se faire renverser. Ils sont pas très nets. Hop là, oula, la cascade. Alors attendez, je vais voir comment ils vont faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Voilà, je vous laisse 5 minutes et ça y est. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ok, ok, à mon avis. Qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi vous lui tirez dessus là? Mais ils sont pas nets. Qu'est-ce qu'ils me font? Venez là, les gars, là. Vous êtes... Je sais pas ce qu'ils ont bu aujourd'hui, mais... Ok, donc on va reprendre le véhicule. On va aller sur la prochaine intervention. Il y a un petit bug avec la porte, là. C'est dommage. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh là, un vol de véhicule de police. Ok, ça on prend, les gars. Ça on prend. C'est pas loin de nous. Ok, il est tout droit.
Vol de véhicule de police. Non mais où on va là? Oh là, ils ont volé le nouveau véhicule en plus. Le Renault Scénic 4. Allez, arrêtez-vous là. Qu'est-ce qu'il fait? Alors attendez, là faut s'attendre à tout. Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez-vous là. Ok. Il veut s'arrêter? Ok. Oh non, non, il repart, il repart. Ok, là je vais... On va appeler du renfort, parce que là, à mon avis, il va pas vouloir s'arrêter, lui. Et voilà, il défonce tout. Allez, arrêtez-vous, là. Ok, il est bloqué, il est bloqué. Je vais demander de sortir. Allez, sortez du véhicule, là, dépêchez-vous, là. Sors, sors, sors. Mets-toi à plat ventre, à plat ventre. Dépêche-toi, là. Moi, je rigole pas, fais gaffe, hein. Mets-toi à plat ventre tout de suite, voilà. Allez, hop. Tu voulais monter dans un véhicule de police? Bah là, tu vas y monter, mais à l'arrière, par contre. Allez, hop. Non mais oh. D'où on vole les véhicules de police maintenant là. Allez hop. Vous suivez ma collègue et vous allez monter à l'arrière de son véhicule. Allez hop. Nous on repart. Oula, on a un autre appel. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là ça je sais pas ce que c'est du tout. On va aller voir. Et à mon avis, on va terminer là-dessus. Alors, on passe où là? On va passer là. Hop, attention, toi avec ta moto, là. Hop, là. Allez, là, poussez-vous. On n'a pas... Oula, on n'a pas de temps à perdre, là. Allez, allez. Ok, qu'est-ce qui se... Ok, à mon avis, il y a un vol et un braquage à main armée là-dedans. Sortez vos armes, les gars. Parce que là, ça va. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bonjour messieurs, c'est la police, là, vous nous avez appelé? Ok, c'est derrière que ça se passe, ok. Ah, bah d'accord, ok. Monsieur refuse de payer, hein? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ok. Ok, il refuse de payer 68 euros de marchandises. Donc monsieur, hein, vous allez payer ça tout de suite, sinon... Ça va se finir au commissariat, d'accord? Ok, donc il veut pas payer. Il veut pas payer? Monsieur. Je vous demandais votre identité déjà, pour commencer. Donnez-moi votre carte d'identité, là. Hop là, merci. Ok, donc il n'y a rien de... Il n'y a rien sur vous dans nos fichiers. Donc, monsieur, je vous mets une amende. Hein. Comme ça, vous serez obligé de payer. Voilà. Donc, tenez, je vais vous préparer une amende de 90 euros. Hein, plus les 68 euros que vous devez revenir régler demain, ici même, au magasin. Voilà. Allez, hop. Bonne journée, monsieur. Alors, attendez, vous voulez me parler, lui? Non? Oula. Ouais. Lui, il sent le cannabis, lui, par contre. L'agent de sécu, là. Soufflez là-dedans, monsieur, pour voir un petit truc, là. Oula, oui. Prenez ça, voir. Oula, oui. Oui, oui, monsieur, là. Vous avez consommé des produits stupéfiants, là. Bon, bah allez. J'ai rien vu. Poussez-vous, les gars. Poussez-vous! Oh, mais bah pousse-toi, Patrick, là. Bon, bah, sur ce, hein. Donc là, on a fini notre journée. C'est la fin de cette vidéo. Donc, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Allez, salut!